Et salut mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne donc de Gamer Girl Julie. Donc aujourd'hui, donc c'est pour ceux qui ont BF4 et que vous ne savez pas comment faire donc avoir l'arc fantôme, tout simplement. Bon, normalement c'est depuis un petit moment que c'est sorti, mais c'est pour ceux ou celles qui aimeraient avoir l'arc fantôme et qui ne sait pas comment l'avoir tout simplement gratuitement. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir premium. Et donc tout simplement vous pouvez être débutant ou même expert, quoi. Pas forcément premium, mais au moins voilà. Donc vous pouvez l'avoir sur la map. Donc c'est une carte donc s'appelle Opération donc Outbreak. Donc il faut, c'est une DLC normalement qui est gratuite, qui est juste à télécharger. Donc pour ceux qui et celles qui l'ont et qui n'ont peut-être pas trouvé le fantôme, donc là vous voyez là-bas il y a le point E tout simplement, et là-bas le point C. Je suis entre les deux, entre le point C et le point E. Et tout simplement pour l'arc fantôme, donc vous allez dans cette petite grotte là, qui sont une petite grotte avec des lianes, et vous tout simplement vous avez ceci là, vous avez la caisse qui est juste là. Alors normalement, si je m'en souviens bien, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas forcément remarqué qu'il y avait donc cette caisse, normalement la caisse elle est fermée. Il y a juste à donner hop, un coup de couteau comme ça sur la caisse. Et après vous pouvez récupérer donc l'arc fantôme qui est juste ici. Et vous donc après vous pouvez quitter dès que vous l'avez. Donc par exemple, hop, vous faites triangle, bon, ouais, ça c'est fait quoi. Bah, dès que vous l'avez l'arc fantôme, tout simplement. Et bien vous pouvez donc quitter le serveur et donc vous l'aviez automatiquement dans vos armes. Voilà, c'est franchement c'est trop cool. On s'éclate avec. Voilà, c'est un mode flèche poison. Mais après, donc après quand vous allez voir entre spécialiste de tenue de catégorie pour justement pour avoir l'arc fantôme, vous allez voir de toute façon plusieurs équipements par rapport aux flèches. Donc vous avez explosif, vous avez le poison et les flèches, bien sûr, normal. Et voilà. J'espère que ce petit tuto, quand même, vous a être utile pour ceux et celles qui ne connaissaient pas. Et puis sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et donc là, c'était mon premier tuto. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, salut! Ciao, ciao!